Tanzoro Village, nulle part ailleurs. Ça se fête ici, la fête d'Halloween. Merci pour tout poète noir qui est venu rendre visite à Tanzoro Village pour une première fois. Nulle part ailleurs, on est fièrement content de notre client. Je présente mon frère Alex qui est avec nous en train de passer pour la fête de Halloween. Thank you.
Bye.
Il y avait une fourmi magnifique.
Et ça lui choisit l'endroit simple, soit devant ou. Ah, ce jour-là, ça a choisi ça. Au moment où il voulait gratter, Dieu l'a demanda le roi de Guinée. C'est moi, Sabounouba. Et que fais-tu là? Je suis en train de gratter parce que je suis vraiment piqué. Et qui t'en a donné la permission? Il dit, mais personne, c'est bien, je vais gagner. À ce moment-là, le roi de Guinée a appelé 100 000 Guinées pour venir aider Sabounouba à se gratter. C'est normal, il y a des pays voisins. À 5h du matin pour Brazzaville.
Yaya s'est réveillé à 3h. Il a continué à manger le haricot, le sakasaka, le ntobamboni, tout ce qu'il avait trouvé, il a mangé à 3h04 du matin pour rentrer rempli à Brazzaville. À 7h, il se pointe à la gare, il rentre dans le train. Et à cette époque-là, on se battait la porte avec les marchandises, mais tu ne pouvais pas bouger. Tu pouvais te cogner avec un sac de foufou, un sac de manioc ou des oranges. Ils étaient serrés dans le train. Et comme vous savez, à l'époque, le train faisait... Yaya était là, serein, tranquille. Après 500 mètres, Yaya a senti des bourdonnements dans son front. Il s'est dit, là, qu'est-ce que je ne vois pas. Mais le train ne s'arrête pas, le train continue. Yaya s'est senti vraiment mal à l'aise. Il s'est dit, là, la solution irréparable, c'est de lâcher un paix en sourdine.
Thank you.
avant même la naissance de l'histoire, lorsque l'homme eut pris conscience de son âme, il lutta contre les forces qui cherchaient à la servir, mais il se heurta à la puissance de la nature. L'œil diabolique de l'éclair, la voix terrifiante du tonnerre, les ténèbres effrayantes, le hurlement des ouragans enchaînait son esprit dans les entraves de la peur. La peur engendra la superstition, engendra sa raison. L'homme devint la proie des divinités païennes. Ainsi, la dignité humaine périssait sous l'autel de l'idolâtrie et la tyrannie survint, écrasant l'esprit de l'homme sous le talon des concurrents. Mais profondément ancré dans le cœur de l'homme, brûlait cependant son inaltérable soif de liberté. Lorsque cette étincelle divine brille dans le cœur d'un homme, qu'il soit prêtre, amant, artiste ou soldat, poète ou homme d'État, ses actes ont le pouvoir de changer le cours des événements et son nom survit à travers les siècles. Dans la contrée du Luango, 19 siècles et 92 années après la mort du Christ, à quelques encablures de la rivière Patra, naquit un de ses hommes. En lui, la nature avait mêlé force et faiblesse, grandeur et légèreté, mais un rêve audacieux surtout le hante. La perpétuation de la culture africaine. Le nom de cet homme, Rockney Zoko. Pour mettre à pied son rêve, il nous a créé un cadre, un temple de l'esprit. Un endroit où la nature est reine, Soko Village. En face de ce magnifique lac qui nous envoie majestueusement son air relayé par les palmiers qui donnent une atmosphère hors du commun, grandeur nature à ses paillotes, Soko Village est le cadre où nous regardons autrement la nature, car Soko Village, c'est le naturel de retrouver. Je vous remercie. C'était là Meryl Bayimissa. Un joli